En visite au Burkina Faso pour évaluer la situation post-coup d'État, la mission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est achevée mardi après-midi. Reparti confiant de Ouagadougou, la capitale, la délégation de la CEDEAO et son médiateur, le président nigérien Mahamadou Issoufou, ont rencontré les chefs traditionnels et religieux, ainsi que le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous allons rendre compte de notre mission au président en exercice de la CEDEAO et au chef d'État. Mais d'ores et déjà, je peux vous assurer que la CEDEAO restera aux côtés du peuple burkinabé, va continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile qu'il traverse. Le capitaine Ibrahim Traoré a assuré qu'il continuerait à respecter les engagements pris vis-à-vis de la CEDEAO, notamment tenir des élections d'ici juillet 2024.